Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série qui s'intitule « Vie et mort des étoiles ». C'est une série qui va parler bien entendu des étoiles et on posera toute une série de questions telles que « Qu'est-ce qu'une étoile ?» Tout d'abord, comment est-ce que fonctionnent les étoiles ? Quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre dans une étoile ? Comment naissent les étoiles ? Comment est-ce qu'elles apparaissent ? Comment est-ce qu'elles évoluent ? Et comment est-ce qu'elle termine, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle meurt, comment meurent les étoiles. Ici, on ne parlera pas de constellations, de mécanique céleste, de galaxies, on parlera des étoiles elles-mêmes. C'est-à-dire, ce qui va nous intéresser, ce sont les intérieurs des étoiles. Qu'est-ce qu'il y a dans une étoile? Comment brille une étoile? Pourquoi une étoile est telle qu'elle est? Et l'étude que je vous présente ici est entièrement vulgarisée, même si elle est de bon niveau. Il n'y a donc pas besoin de connaissances préalables. Bien sûr, elle vous empêche de voir les autres séries, en particulier celles sur la relativité, mais ce n'est pas une nécessité. J'expliquerai au fur et à mesure les besoins, parce que beaucoup de phénomènes physiques seront abordés, mais les explications seront données de manière vulgarisée et ce dont on aura besoin pour comprendre. On restera donc en général assez simple et général. On n'ira pas dans tous les détails de la mécanique céleste, on ne se lancera pas dans des calculs d'hydrodynamique pour calculer les mouvements du gaz dans les étoiles, des choses comme ça. Donc, tout en plus, pour tenir un peu de culture générale sur le sujet, si vous avez vu quelques documentaires ou lu quelques beaux livres sur les étoiles, les constellations, les galaxies, c'est largement suffisant. En gros, cette étude se divisera en trois parties. Tout d'abord, le fonctionnement des étoiles, leur composition, les différentes sortes d'étoiles. La deuxième partie, ça sera la vie des étoiles. Comment est-ce qu'elles naissent, comment est-ce qu'elles évoluent, et comment est-ce qu'elles meurent, que cette fin soit calme ou violente. Et enfin, en troisième partie, les principales étoiles, les plus importantes, on verra leur structure et on fera une étude un peu plus poussée pour certains types d'étoiles importantes, en particulier les stades terminaux, la fin de vie des étoiles, c'est-à-dire les naines blanches, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Nous verrons cela en détail. Alors, ceci, c'est une petite introduction, et dans la prochaine vidéo, nous attaquerons donc le début, la première partie, à savoir la question, qu'est-ce qu'une étoile exactement, et quelles sont les propriétés des étoiles, qu'est-ce que l'on peut observer, mesurer, qu'est-ce qui distingue les étoiles les unes des autres, et donc quelles sont les différentes sortes d'étoiles. Je vous remercie.